Sadece Rüzgül arasından bilmiyor ki biz başka da bir yüzden yazıyoruz. Yüzlerce yüzden. Ama biraz biraz burada bir biraz daha bir yüzden var. Bu yüzden artık. Bir organizasyon kuruyor ki Fransma Sen. Dersin bir yüzden. Lise pratiquant de la première tertiaire qui a vu le jour au lendemain du coup d'État, le 5 septembre 2021, pour exiger la libération du président Alpha Condé sans condition. Depuis l'appellement du Comité national pour le rassemblement et le développement CNRD au pouvoir le 5 septembre 2021, le Forum national pour la libération du président Alpha Condé a mené plusieurs activités et démarches à obtenir la libération du président Alpha Condé. Entre autres, la sensibilisation et la mobilisation du militant pour la libération du président Alpha Condé. Le 6 septembre 2021, la célébration du président pour demander la libération du président Alpha Condé. Le 6 octobre 2021, le point de presse de la libération du président Alpha Condé organisé pour le siège national du parti. Le 8 octobre 2021, une lettre du Saint-Courant, des prières de bénédiction pour l'ensemble du groupe des générations pour le président Alpha Condé. Le 3 novembre 2021, la participation à la conférence de presse, sous la direction du groupe politique national du RDG pour remobiliser les militants. Le 11 décembre 2021, une journée de mobilisation et de soutien sur toutes les années du territoire national pour demander et exiger la libération du président Alpha Condé qui a abouti à l'arrestation de 8 de nos membres et 2 blessés par les forces de l'ordre. Le 30 décembre, le kidnapping d'une autre responsable de la communication en compagnie de ses collègues en pleine circulation dans les environs de 22h à Grécia-Formé. Des démarches menées auprès des représentants des missions diplomatiques, le Comité national du rassemblement pour le développement CNRD et par l'envoi de courriers pour l'éventuel échange concernant la libération du président Alpha Condé, notamment. Un prix a été fixé au représentant de la CEAO résident en Guinée le 1er novembre 2021. Au représentant de l'Union africaine le 1er novembre 2021. Au représentant de l'Union européenne le 1er novembre 2021. Au président du CNRD en date du 22 novembre 2021, mais sans succès. À l'ambassadeur de la France en Guinée le 6 décembre 2021. À l'ambassadeur de la Russie en Guinée le 6 décembre 2021, à l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire le 6 décembre 2021, à l'ambassadeur de la République populaire de Chine en Guinée le 6 décembre 2021, à l'ambassadeur de la Turquie en Guinée le 6 décembre 2021, à l'ambassadeur et représentant des missions diplomatiques accrédité en Guinée le 9 décembre 2021. Et il a été explicatif adressé au président en exercice de la CEDEAO à l'opération de finances Nana Akufo-Addo le 9 décembre 2021. Il faut noter que ces démarches, avec le soutien et la mobilisation de tous, ont permis d'obtenir une autorisation du séjour médical le 17 janvier 2022. Alpha Condé dans son pays de choix. Malgré ces sacrifices consentis par le RDG attention pour la paix et la culture, les nouvelles autorités continuent toujours à garder arbitrairement le président Alpha Condé sans motif valable. La famille biologique, sa famille biologique et politique sont privées de tout contact avec lui. Cela s'ajoute l'acharnement et le mépris envers les cadres du parti, aboutissant à l'arrestation non justifiée de certains. Donc, Dr. Ibrahima Kassou-Soufana, Dr. Mohamed Kané, le ministre Koulibaly et d'autres. C'est pourquoi la direction nationale du Forum national pour la libération du président Alpha Condé, Fondal Chak,
approuve et reste solidaire aux déclarations de la direction nationale du MPG Arc-en-Ciel et demande une fois encore aux nouvelles autorités la mise en liberté totale et sans condition du président Alpha Condé, d'être juste et équitable entre tous, respecter les dispositifs de la loi en garantissant les libertés collectives et individuelles, d'éviter les arrestations arbitraires qui ne peuvent être que source de problèmes, enfin, insister sur la libération des cadres arrêtés sans motif valable. Par la même occasion, lancer un appel à nos camarades d'autres organisations politiques, syndicales et sociales à l'union sacrée pour faire barrage à toute forme de violation flagrante des valeurs de la République. Aux militants et sympathisants du FPG Arc-en-Ciel, de rester mobilisés autour de nos antennes préfectures en formant des organisations politico-sociales pour défendre les vraies valeurs de la démocratie toujours posée par le président de la République. Garantir un avenir au parti est un devoir sacré pour tous les militants. Battons-nous pour porter plus haut la nature sur car nous venons de très loin. Dans les jours et semaines à venir, nous nous adresserons à vous. Si seulement si il n'y a pas une évolution favorable sur des questions précises. N'ayez pas peur de rien. Soyez courageux et déterminés pour brandir tout obstacle empêchant le RPG de s'épanouir. La victoire finale est à vous, le peuple, parce que vous êtes souverain et l'honneur de nous bien. Vive le président Fakonde, vive le président de Matassou Fofana, vive le FPG Arc-en-Ciel, vive le Fonal Prac, ensemble, main dans la main, pour la victoire finale. Je vous remercie.